Babou. Babou l'a appelé. Ils se sont parlé au téléphone. Ahmed Bakayoko, il va rendre à son patron. Ah, j'ai reçu le président Babou Laurent au téléphone. Tout et tout et tout. Mais moi, t'as arrêté d'une colère noire. Mais le gars, il dit quoi? C'est une affaire de réconciliation. Le gars, il doit venir. Tout et tout et tout, quand même. Il a appelé là. Ce n'est pas un mal. On doit se parler un moment. Mais pourquoi lui, Ahmed Bakayoko, c'est lui que Babou appelle? C'est que c'est une traite. What the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi cette maladie bizarre là? Un premier ministre comme Ahmed Bakayoko, quelqu'un qui a l'argent, il ne fait pas de bilan de santé. Un gars qui a l'argent, même nous-mêmes qui n'avons rien là, nous faisons quand même un bilan de santé. À plus forte raison, quelqu'un qui a son médecin personnel, quelqu'un qui va se traiter, quelqu'un qui va, quelqu'un même qui, les médecins le suivent à chaque moment, on pense attention, on prend tout à chaque moment. Vous nous faites croire que le monsieur avait un cancer, mais un cancer là, ça ne vient pas aussitôt comme ça. Un cancer là, ça ne vient pas aujourd'hui, puis demain tu meurs. Un cancer là, il prévient, il y a des signes qui ne tombent pas. Quand il fait son bilan, on va lui dire oui, voilà, 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 voilà. Ahmed Bakayoko n'est jamais mort d'un cancer. Arrêtez ces mensonges là. Ahmed Bakayoko n'est jamais mort. Ahmed Bakayoko a été empoisonné par le petit frère de Alassane Daman Ouattara. Tene Biraïma. Pour quelle raison Ahmed Bakayoko a été tué? Pour le simple fait qu'il ait eu au contact téléphonique Babo Laurent, qui a communiqué avec Ahmed Bakayoko. Parce, pourquoi Babo l'a appelé? Parce qu'à un moment, il faudrait qu'on se parle. Babo doit rentrer. Et il y a des trucs qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Babo Laurent est passé par Sidi Diallo. Et Sidi Diallo a appelé Ahmed Bakayoko. Ah, Ahmed, il y a le vieux père qui a t'appelé. Hein. Il dit qui? Il dit Babo Laurent, je lui donne ton numéro. Les services secrets ivoiriens ont intercepté tout ça là. C'est pour cela que Sidi Diallo est mort, président de la FIF. Il est mort rapidement. Rapidement. Ça fait très mal à Ahmed Bakayoko. Babo l'a appelé. Ils se sont parlé au téléphone. Ahmed Bakayoko, il va rendre à son patron. Ah, j'ai reçu le président Babou Laurent au téléphone. Tout et tout et tout. Mais moi, t'as arrêté d'une colère noire. Mais le gars, il dit quoi? C'est une affaire de réconciliation. Le gars, il doit venir. Tout et tout et tout, quand même. Il a appelé là. Ce n'est pas un mal. On doit se parler un moment. Mais pourquoi lui, Ahmed Bakayoko, c'est lui que Babou appelle? C'est que c'est une traite. C'est qu'il est bizarre. Ahmed Bakayoko a toujours été fidèle à Ouattara. Ahmed Bakayoko a toujours été fidèle à Ouattara. Aussitôt, Sidi Diallo, paf, coronavirus, ils ont empoisonné le monsieur est mort. Parce que leur poison là, il y a la dose. On accélère vite ton cas, ou bien soit c'est à petit feu. De ce fait là, Ahmed Bakayoko était considéré déjà comme leur ennemi. Pourquoi c'est lui Babo a eu au téléphone? Pourquoi c'est à lui que Babo a adressé une lettre pour lui dire non, vous avez attrapé Bédier, vous avez traumatisé la femme de Bédier, ce n'est pas bien. Pourquoi? Mais Ahmed Bakayoko, il est le premier ministre, il était ministre de la Défense aussi. Mais Ouattara, tu n'ouvres pas le dialogue. Donc c'est autour de toi là, on ne doit pas dialoguer. On ne doit pas dialoguer. On va essayer de dialoguer net là, tu tues les gens en même temps. Par rapport à quoi? Et ces gars qui sont aidés, ces moutons qui sont aidés. Ces moutons, quand on parle, qui viennent insulter sur les postes, ces moutons-là, restez là-bas. Le poison-là, il y en a beaucoup pour vous. Ce n'est pas pour nous. Le poison-là, c'est pour vous. C'est à vous. En 8 mois, deux premiers ministres, Amadou Gon. On nous a dit que non, Amadou Gon, son cœur n'est pas trop bien. Ok, d'accord. Amadou Gon, on m'a dit qu'il était maladif. Ok, ça, on prend. Mais Ahmed Bakayoko, qui est sportif, qui est un karatéka, qui suit sa tension, qui aime la vie, qui est premier ministre. La présidence a son médecin. La primature a son médecin. Il y a des gens encore qui sont médecins. Tu es suivi. Il y a des médecins qui sont en France. Il y a des médecins même américains qui te suivent. Il y a des médecins qui les suivent à tout moment. Parce que les hommes politiques, là, c'est des personnes qui bougent tellement. Donc, il y a toujours des personnes dans leur staff. Il est empoisonné. Il arrive pour détecter. Il arrive en France. Il va faire son bilan encore. On voit que non, il y a des traces de poison dans son sang, dans son organisme.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on le met dans un coma pour pouvoir extraire le poison. On le met dans un coma, on le plonge dans un coma. Parce que rappelons que Ahmed Bakayoko est parti lucide en France. Il n'est pas allé sur une civière. Il est allé lucide. Il est allé lucide. Mais ceux qui le plongent dans le coma sont les gens de Ouattara. Parce qu'il est parti à l'hôpital, la pitié, sale pétrière, ben quoi là, des fuck de merde là. Et c'est là-bas. On le plonge dans un coma. Quelqu'un qui arrive bien portant. On le plonge dans un coma. Pour tuer le monsieur. Pour tuer le monsieur, il est mort. Ouattara arrive pour confirmer. Parce qu'il a payé. Il a payé. Il a payé. Il a payé le prix fort. Il a payé la mort de son fils. Lui, Ouattara, il a payé la mort de son fils. Quand on vous dit que ce monsieur-là, c'est le démon en personne, vous pensez qu'on s'amuse? Quand on vous dit que le monsieur, il n'a pas pitié de quelqu'un. Il n'a pitié que pour sa propre personne. Et sa femme Dominique. Et son petit frère. Et son petit frère. Aussitôt honnête, tu vas nommer. Et tu es tellement méchant. L'anniversaire du gars. L'anniversaire du gars. Sachant très bien que le gars, il est mort. Tu fais un remaniement en même temps. Tu lui enlèves les fonctions et oh, tout et tout et tout. Mais moi, tu peux le découvrir à titre posthume. Tu pourrais dire qu'il est tombé. Il est tombé au cours de son mandat. Tu pourrais dire que non, oui, voilà, inventer quelque chose même. Inventer quelque chose. Il a eu un AVCB, il a eu heart attack. C'est-à-dire que crise cardiaque. Tu pourrais inventer même qu'il est parti en mission diplomatique. Lorsque Chris Appé nous disait, tu pourrais inventer qu'il allait en mission. Tu pourrais inventer une mission rapidement. Mais tu as voulu nous faire croire. Tu veux nous montrer que oui, toi là. Tu ne joues pas, tu ne badines pas. Tu veux nous montrer que toi là, on ne discute pas avec toi. Tu nous montres ça. Tu nous montres de manière directe que c'est toi qui as tué Ouattara, Ahmed Bakayoko. Et puis vous les partisans d'Ahmed Bakayoko, vous les personnes qui aiment Ahmed Bakayoko qui est au RDR, vous les jeunes de Ségéla, vous les jeunes de la Côte d'Ivoire, vous les personnes qui êtes au RHDP. Ça là, ce n'est plus pour nous maintenant, hein. Non, c'est même pas dedans. Hein. On vous regarde. C'est vous là que nous on regarde. Parce que nous, on ne peut pas faire vous votre palabre. Votre palabre là. Si vous faites, nous on va rentrer dedans. Mais nous, on ne peut pas venir faire votre palabre. Parce que nous, on fait notre palabre, vous ne nous avez pas soutenu. Faites votre palabre, faites pour vous. Commencez, nous on termine. Commencez votre palabre, nous on termine. Sinon, Ouattara et son petit frère vont détruire, ils vont tuer tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Jeunes. D'Abobo qui avait aimé Ahmed Bakayoko. Ibrahim Khalil Diallo qui dit que, comme moi je peux dire que c'est Ouattara qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Ibrahim Khalil Diallo, ton poison arrive. Je ne vais même pas te répondre, mais ton poison arrive. Ils vont t'empoisonner aussi. Donc, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Jeune d'Abobo, jeune de Ségéla, les gens qui ont aimé Ahmed Bakayoko, vous qui aimez Ahmed Bakayoko, vous qui vous le voyez en votre père, commencez, nous on termine. Parce que, à un moment, il faudrait que ça s'arrête. À un moment, il faudrait que ça s'arrête. Babou Laurent avait prévenu. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Les plus chanceux seront en prison ou bien en exil. Les plus chanceux. Et les autres vont se retrouver dans la tombe. Babou, comme un prophète, l'a annoncé. Comme un prophète, il a annoncé. Parce qu'il connaît Ouattara. Il a marché avec Ouattara. Il sait qui est Ouattara et pourquoi il est parti. Il sait qui est Ouattara et pourquoi il est parti. Aujourd'hui, voilà Ahmed Bakayoko. Nous avons mal. Je n'ai jamais eu mal comme ça, même pour quelqu'un. C'est-à-dire que même. J'ai mal. On est adversaire, c'est vrai. Mais je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Je voulais voir Ahmed Bakayoko, mais pas dans la tombe. Je voulais le voir pour lui dire, enfin, nous avons gagné le combat. Voilà, Belélou, ça te fait mal à loco, piment. C'est fini. Mais je ne voulais pas le voir dans la tombe, entre quatre pieds, pour dire quoi, on va venir s'incliner. Et on va voir une panoplie d'artistes. On va voir, et puis vous, le gouvernement, comment vous allez faire? Vous êtes des hypocrites, vous êtes méchants. Vous allez lui rendre des hommages, tout et tout et tout, laisser sa femme en train de pleurer, souffrir. Vous êtes des sorciers. Et vous allez venir vous arrêter là. À faire votre hypocrisie. À faire votre jeu d'hypocrite.
pour dire non, ce monsieur-là, c'était quelqu'un de bien. Ce monsieur-là, lui, voilà, citer les mérites de Ahmed Bakayoko. Mais quand on sait que vous avez fait sortir la drogue pour accuser le monsieur-là, vous avez sorti son business, vous avez attrapé toutes ces personnes pour dire Ahmed Bakayoko, où tu es mort. Ton business est mort, toi-même, tu es mort. Et à la fin, Ouattara, tu as vite arrêté devant nous pour dire que non, j'ai perdu mon fils. Méchant! Mais toi, Ouattara, Dieu va se charger de toi. Dieu va se charger de toi. Tu vas pas mourir maintenant. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Ton frère Téné Biraïma, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Mais entre vous là, vous allez souffrir. Vous allez voir les Ivoiriens prospérer. Vous allez voir les Ivoiriens de là où vous serez là. Mais parce que vous allez être en enfer. Vous allez souffrir. Vous allez. Non, la mort même sera trop mieux pour vous. Non, vous n'allez pas mourir. Je prie pour que Dieu vous donne longue vie. Je prie pour que vous puissiez voir la vengeance de toutes les personnes que vous avez tuées. Je prie pour que vous puissiez voir la vengeance de toutes les personnes, de Amadou Gon, de Ahmed Bakayoko, de Ouattara, de Sidi Diallo, dans notre camp, de Aboudama Sangaré, Miaka Oreto, tous ceux qui sont tombés. Je prie pour que vous ayez longue vie. Et que vous allez souffrez le martyr chaque jour de votre existence. Je prie même que quand tu as arrêté devant la dépouille de Ahmed Bakayoko, il n'a qu'à se lever te gifler. Je prie pour ça. Vous êtes méchants. Et votre conglomérat, vous allez vous mettre là pour dire Ahmed Bakayoko, c'était un frère. Et on a perdu un frère. Mais vous êtes des démons. Vous êtes méchants. Il est arrivé en France. Le gars est mort devant Ahmed Bakayoko. Et devant Alassane Ouattara. Il est mort. Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Attendons, il y a le résultat des législatives. C'est que toi, tu fais passer l'intérêt, ton intérêt d'abord avant ton enfant. Ton intérêt d'abord. Après, parce que si on annonce la mort, les gens ne vont pas voter le RHDP. Mais vous voyez comment c'est un démon. Vous voyez comment c'est un démon malade, mental, ce monsieur-là. Jusqu'à même l'anniversaire de ce monsieur, le 8 mars. Et c'est là que toi, tu enlèves toutes ces fonctions. Tu peux nous blaguer au moins pour nous dire, Ahmed Bakayoko, de là où tu es, nous te soutenons. Et après, produire un mensonge, un communiqué pour dire Ahmed Bakayoko est décédé d'un arrêt cardiaque, tout et tout et tout. Mais non. Le jour de l'anniversaire, même pas un communiqué, même pas toi, Ouattara, ton enfant. Tu as pu faire un tweet pour dire bon anniversaire, mon fils. On demeure en prière. Tu n'as même pas appelé à une prière nationale. Tu n'as même pas appelé à une prière nationale pour ton enfant. Toi qui t'es dit musulman, tu n'as même pas dit à un imam, faites un communiqué pour dire prions pour Ahmed Bakayoko. Aucune mosquée, personne n'a fait ça. Parce que vous voulez tuer le monsieur. Parce qu'il était déjà mort quand il quittait la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qui vous a donné l'argent, qui vous a rendu service à vous, RDL, à vous, les cadres RDL. Ce monsieur vous a aidé, il vous a donné des places, il vous a fait tout. Pour vous, il est resté là, il n'a jamais rien dit. Malgré les frustrations, il n'a jamais rien dit. Pensant bien faire, où il crée la communication avec les opposants, vous le tuez. En Côte d'Ivoire, on ne doit pas se parler. En Côte d'Ivoire, on doit toujours se battre. Mais non, on ne se battra plus. Non, l'ennemi maintenant est dévoilé. L'ennemi est devant vous. Vous voyez l'ennemi. Les jeunes du RDR, restez là à être mouton, restez là à être bête. Ils vont vous finir comme ça, un à un. Ouattara vous a menti qu'il est venu pour les jeunes du Nord. Ouattara vous a menti qu'il est venu pour le Nord. Le voilà. C'est les mêmes nordistes qu'il est en train de tuer. C'est les mêmes nordistes qu'il est en train de tuer. Et les grosses têtes et des cadres. Voilà aujourd'hui l'autre là, Amadou Soumaro, qui n'est que l'ombre de lui-même. Voilà Maman Dagui Diabaté, qui dans quelques temps même risque de mourir parce que le poison a la fatigue. Les voilà. Voilà l'autre, on annonce net que Ahmed Bakayoko est mort, Achille Patrick aussi. Ici aussi. Parce que Ouattara n'aime pas les premiers ministres. Parce que Ouattara là, il est malade ce monsieur là. Il est malade et je l'ai dit. Il ne veut pas que quelqu'un exerce les fonctions que lui il a exercées. Regardez bien tous ces premiers ministres. Soro Guillaume, il est en exil. Aoussou Jeannot, il est malade. Il se promène avec une bouteille de gaz. Il ne peut pas respirer. Dans la cabane de camp, Taratik, il est malade aussi. Il a disparu. Amadou Gon, mort. Ahmed Bakayoko, mort. Achille Patrick, malade en ce moment. Mais quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux?
Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Moi, je vous ai dit, hein, jeune qui aimait Ahmed Bakayoko, tout, cette mort ne doit pas rester impunie. Nous, on ne peut pas aller donner nos partenaires, mais on peut vous accompagner, on peut vous suivre. On peut faire ça parce que nous sommes Ivoiriens, mais dans la main là, on peut faire tomber ce monsieur-là. Mais ça là, maintenant, c'est à votre tour. Parce que nous avons combattu, nous combattons tous les jours, vous ne nous soutenez pas, vous nous insultez. Maintenant, nous là, on se propose de vous aider. Commencez. Commencez, nous on termine. Repose en paix, monsieur Ahmed Bakayoko. Repose en paix, Golden Boy. Repose en paix. Que la terre te soit légère. Que Dieu regarde même le bien que tu as sémé. Que Dieu regarde seulement que le bien que tu as fait. Si tu as donné le sourire à des orphelins, si tu as donné le sourire à des enfants de prisonniers, si tu as donné le sourire simplement à un enfant, que Dieu puisse regarder cela. Je ne suis personne pour te juger. C'est vrai, tu as des défauts, c'est vrai, tu as commis des péchés, même pire. Je ne suis pas Dieu, mais j'ai mal. Et je sais que beaucoup ont mal. Repose en paix, Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, premier ministre de Côte d'Ivoire. Ta mort ne restera pas impunie. Ta mort ne restera pas impunie. Bonne journée, les amis.